Salut Trax, c'est Tourmobourg. Aujourd'hui on est au studio et je vais vous montrer comment j'ai produit le son synthé à la menthe qui sortira avec le reste de mon album le 4 décembre prochain sur Pornhub Records. C'est parti. Ce morceau je l'avais bossé en partie avec mon ancien coloc de studio qui est aujourd'hui à Marseille, Bezan. Salut Bezan. Salut frérot. Alors pour le kick, on a pris un kick de la 909 de Bezan qu'on a passé dans un Moonger Fugger et ça donne ça. C'est un kick un petit peu saturé, c'est très puissant. La deuxième partie très importante, ce sont ses percussions. Donc on va avoir en fait des congas mélangés avec des hand drums qu'on a passé dans le H3000, donc pour lui donner un petit peu de délai. Ça donne ça. On va gagner en stéréo en fait, tout simplement. Pour la hatte, on a pris une hatte de 808. Voilà, pareil, on a un délai quoi dessus. Ça donne de la stéréo. Elle est aussi passée dans une disto juste avant, c'est pour ça qu'elle est un petit peu plus sale qu'une 808 normale. J'ai aussi rajouté ce petit synthé Moog dans la drum. C'est un DFAM, ça permet de faire plein de petits bruits, soit chelous, soit simples. Voilà, alors le DFAM, ça donne ça, le DFAM. En fait, c'est pas grand-chose, mais ça permet de rajouter un mouvement au groove. Ensuite, j'ai rajouté une ride, je vais vous faire écouter. Ça permet d'avoir un petit peu de reverb et un chorus. Enfin, j'ai ajouté un clap que j'ai passé à travers ce synthétiseur Moog en fait. L'idée, c'est qu'on rentre le signal à l'intérieur et il passe par le filtre ici. Ça permet déjà de pouvoir filtrer le clap par exemple. Ici, on écoute le clap, ça donne ça. Là, il est un petit peu filtré. Là, il s'ouvre par exemple. Ici, on met la drum tous ensemble, ça donne ça. Alors pour la partie harmonique samplée du morceau, le sample principal c'est un sample de piano ici, qui est d'abord filtré puis qui va se dévoiler tout au long du track. Pour la deuxième partie harmonique, j'ai ajouté un sample de Joe Anderson, 13 Palabras. Dans le morceau on l'a repassé dans le H3000 également, pour lui donner un côté un petit peu plus psychédélique. La deuxième chose que j'ai samplé, c'est un sample de trompette de Freddie Hubbard. Et dans le morceau ça va donner ça. Un petit EQ là. La partie harmonique piano. Dans le premier break, j'ai ajouté un petit vocal de Dexter Gordon, donc Soy Khalifa. Soy Khalifa. Dans la deuxième partie, j'ai utilisé un sample de vocal de Akir Madhubuti. Young children ask their grandfather. Et alors dans le morceau, ça va donner ça. Young children ask their grandfather. On a une deuxième partie harmonique qui a été composée par Bezad, donc il a fait ça sur un prophète. Voilà du grand Bezad, c'est magnifique. Alors pour la base, j'ai pris un sample de kick de 808, un petit peu de type trap, que j'ai passé comme un gros port dans un radiator. Ça permet de rajouter, on va dire, de la chaleur au son, le saturer. Voilà, c'est plus cochon, quoi, c'est un peu plus agressif. Voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez compris un petit peu mieux ma manière de travailler en studio. En tout cas, n'oubliez pas, le morceau sort le 4 décembre sur Pornhub Records avec le reste de l'album.